podcast créatif, je suis Adeline de La Métamorphose d'une aiguille. Je reviens pour cet épisode sur les réalisations que j'ai faites au mois de septembre et octobre. Donc on va commencer avec la partie tricot, avec le Marie-Chêne la dernière fois qui était en cours, où il me restait que les manches à faire. Donc il s'agit d'un modèle tricoté en aiguille 4 avec une laine Fonti Tweed. On voit les petites bubbles là, enfin les petits chinés du tweed. J'ai réalisé un rabat tubulaire. C'est vrai que ça fait une bonne finition et qui est pas mal élastique, donc je trouvais ça pas mal. J'ai un peu modifié le modèle parce que en bas des côtes, je lui ai fait des côtes beaucoup moins longues que prévu. Parce qu'en fait, j'avais fait trop de répétitions de dentelle avant d'arriver aux côtes. J'avais avancé sans mesurer et puis j'étais arrivée trop loin. Donc pour avoir la bonne longueur du gilet, j'ai fait un peu moins de côtes. J'ai aussi un peu modifié la patte de boutonnage qui était normalement un petit peu plus courte, mais que j'ai préféré plus longue pour éviter qu'elle s'ouvre. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Bah, pas grand chose. Voilà, c'est un modèle en raglan qui se tricote en aiguille 4 en DK. Même si ma laine était plutôt préconisée pour un échantillon en 5, mais malgré tout, je trouve qu'il reste assez fluide, il n'est pas trop cartonné. Donc, même si c'est soi-disant une worsted, ma foi, elle se tient pas mal. J'avais prévu 13 pelotes et au final, il m'en reste 2,5. Voilà. Donc, voilà pour ce modèle. N'hésitez pas à me poser des questions si je suis pas assez explicite dans ce que je vous raconte. Après, c'est que je veux pas non plus parfois en dire trop pour certaines que ça intéresse pas. Donc, n'hésitez pas en commentaire, c'est le but des commentaires et c'est toujours très plaisant de communiquer avec vous par cet intermédiaire. Bon voilà, ma foi, j'en suis pas mécontente. Je l'ai porté un peu, pas trop parce que je voulais pas qu'il soit trop abîmé pour le podcast. Il va, ma foi, pas mal avec le t-shirt que je me suis cousu aussi avec. Là je l'ai pas mis aujourd'hui parce qu'en fait il fait pas froid, donc au final j'avais pas besoin d'avoir un gilet aussi épais, mais quand il fait un peu frais à la maison ça sera très très bien. Je continue avec les objets terminés avec les chaussettes de mon mari pour le Cal Socks in the Mug. J'ai pas fait les photos encore de I Drink My Socks, mais enfin, je les fasse, je les ferai peut-être après le podcast. Donc c'est un modèle gratuit avec... alors, ça se voit pas du tout, le modèle de la dentelle. Hein. Je sais même pas. Voilà. Donc, il y a un jeu de points de riz au milieu de torsade avec un petit peu de jeté. Voilà, je vous mets le doigt pour bien voir. C'est vrai que là, la laine aide pas beaucoup à voir le motif. Mais j'avais pas envie de faire quelque chose de tout jersey. Parce qu'au final, regardez, ça fait du pooling comme ça. Je trouvais pas ça très, très, très joli. Avec un talon en rang raccourci. Et puis des côtes. Et un rabat tubulaire aussi. J'ai fait la même chose. Finalement, je trouve que le rabat tubulaire... je me suis aidée d'un tuto mis en ligne par Claude Tricot. J'essaierai de vous mettre le lien. Qui m'a bien aidée à comprendre pour faire ce rabat. Et j'avoue que maintenant, je l'ai fait... sur plusieurs, je pense que je le maîtrise pas trop mal et c'est vrai que ça fait une jolie finition. Puis ça reste assez extensible pour la chaussette, je trouve que c'est pas mal. À voir. Parce que moi j'aime mieux faire les chaussettes du bas, de la pointe vers le haut, comme ça me permet de pouvoir ajuster la longueur en fonction de ma laine. Même si j'ai des restes, j'avais deux pelotes de 50 grammes et oui, je fais jusqu'à la tige, la même longueur que le pied. C'est un bon repère. Et il m'en reste un petit peu. Donc je pense que ça m'aidera peut-être à faire des contrastants. Ou alors à faire des rayures avec un gris. On verra bien. J'ai fait une petite radia de laine à chaussettes. Il n'y a pas longtemps chez ma mercière à côté.
pour tous ces petits restes. Voilà. Oui, je crois que mon mari les a portés en plus et j'ai même pas dû les bloquer. Et puis les portes, lui, comme Élise, il met des chaussettes en coton et il met les chaussettes par-dessus. Il fait comme il me dit bah oui bah t'es plus le tu mets bien un t-shirt en coton en dessous donc voilà hein, c'est pour pas avoir moins à les laver paraît-il. Mélise, si tu m'entends, voilà, tu n'es pas la seule, mon mari fait la même chose que le tien. Ensuite, qu'est-ce qui. Ah oui. Se débarrasser. Hop, on balance à côté pour faire de la place. Ensuite, je vais vous parler de mon Vertice Unit. Bon, je prononce sûrement très mal. Dernièrement, vous avez dû le voir sur pas mal d'autres podcasteuses. Moi, le but de ce châle, c'était de vider un peu mes restes. Alors, mais malgré tout, j'en avais acheté une quand même pour laver. J'ai fait l'I-cord dans la laine Merino et Yak de Célène Blue Jean dans laquelle j'avais fait mon Love Note. J'ai rajouté une note. Là, j'ai mis un reste de pomme de laine dans lequel j'avais fait un gilet mélaine. Et ça va être un peu mon châle memory de mes ouvrages. Alterné avec une laine à paillettes de chez Célène aussi. J'avais pris un petit 50 grammes pour compléter. Voilà pour la première partie. Ensuite, là, c'est de la Lil Weasel, le blues du gendarme, dans lequel j'avais fait un châle l'année dernière. Un châle à un écheveau, il m'en reste un tout petit peu, donc voilà. Là, j'ai mis Célène, le reste de mon châle Summer Crush de la dernière fois. Couleur jus de raisin en yak et le bleu marine blue jean. Là, il n'y a que la Célène à paillettes qui se mariait bien avec justement ces deux couleurs-là. C'est pour ça que je les avais achetées. Je me suis dit, s'il m'en reste, ça me permettrait de me faire quelque chose. Et ici, ce panneau-là. Alors, ici, pardon, j'ai mis le blue jean et un reste d'alpaga drops en rose ragé. Le rose ragé, bon. Il me reste encore du bleu marine hein, malgré tout. Hein. Donc j'aurais pu finalement faire toute une partie. Là, il me restait de la laine à chaussettes Rico Design. J'en ai pas eu assez. Il a fallu que ouais, je me suis arrêtée ici, mais ça se voit pas trop. Là, j'ai mis d'autres couleurs. Encore des restes de laine à chaussettes. Oui, c'est ça. Un reste de Fabel gris renard pour lequel j'avais fait ma première paire de chaussettes que j'ai donné à mon père. Je sais pas s'il les porte. Par-dessus ses bas de contention parce il a un peu froid aux pieds quand il porte des bas de contention. Et là, c'est pareil, une laine à chaussettes. Je suis pas convaincue finalement par cette partie-là, qui est un peu trop vert par rapport au reste qui est un peu bleu rose. Mais ma foi, une fois qu'on porte, c'est pas mal. Donc j'ai fait le petit modèle. Et je m'attendais à ce qu'il prenne beaucoup plus de laine que ça. Mais je suis allée au bout, je crois, il ne doit pas me rester grand-chose. J'ai dû me garder un petit sac de reste quand même. On verra au prochain tour. Donc il est très bien, il est une bonne taille finalement assez commode. Je le mets assez régulièrement. Mais finalement le dernier châle que je fais c'est celui que je porte le plus. Et après il détournera par un autre que je vais faire après. Petit oubli aussi, dans les projets terminés j'ai aussi fait un pseudo Ravelo à ma fille avec pour Alice. Avec des restes de laine que ma mère m'avait laissés. J'avais 5 sacs de congélation avec des petits restes de 20 grammes, 50 grammes. Ouais, même pas 50 grammes. 20, 30 grammes. Enfin, pas une pelote complète à chaque fois de laine
Avec pas mal d'acrylique quand même. C'était pas le fun à tricoter. Je me suis inspirée du Flex Light pour avoir les bonnes mesures pour ma fille et j'ai fait un 6 ans. Je me suis trompée sur la partie. Normalement, il aurait dû avoir que 18 mailles avec le point mousse. Et moi, en fait, j'ai fait toute la manche avec le début en point mousse. Et finalement, c'est assez rigolo parce que ça lui fait une espèce de petite manche ballon. Enfin, de petites manches un peu gigot plutôt, une manche gigot, comment dire. Et c'est assez rigolo finalement, c'est assez joli. Et voilà, donc c'était un pour écouler mes restes pour que ma fille. Et puis elle est contente, elle trouve que c'est doux. Moi je trouve pas ça doux, mais bon. Enfin, c'est poilu effectivement, et elle, quand elle voit que c'est poilu, elle pense que c'est doux. Je trouve pas ça méga doux. Moi je trouve, je sens beaucoup le plastique quand même dedans, je trouve. Mais bon. C'est pour écouler les restes. Au pire. Elle le portera peut-être pas très longtemps parce que finalement les manches sont un peu courtes, j'aurais dû les faire plus longues, mais je suis allée vraiment au bout de la laine blanche. J'ai fait vraiment ce que j'ai pu avec les petits bouts, les petits restes. Là, c'est même pas le même bleu avec là. Enfin, bon, quand elle est coupée avec le jaune, ça passe encore. Voilà, enfin, j'ai fait vraiment du bidouillage. J'en suis pas méga fière, hein, mais bon. Ça passe. C'est pour une enfant qui ne portera qu'une saison. On va passer aux encours. Alors, je vais vous montrer mon solde de TNA qui n'a pas énormément avancé. Alors, je vous ai dit, c'est un projet au long cours, mais comme il fait un peu mal aux mains, parce que la laine accroche pas mal, voilà, j'ai un petit peu avancé. J'ai fait, voilà, un motif de plus. Et là, j'arrive sur les flèches. J'ai qu'une partie de la flèche, il faut que je fasse la deuxième partie. Et après, je pense refaire cette partie-là, peut-être, bien allongée, et puis faire des côtes. Et faire des côtes avec le violet. Donc voilà. Je suis moyennement convaincue finalement par cette partie qui est un peu claire et qui va arriver peut-être pas à l'endroit le plus saillant. À voir. Oui, je l'ai mis un peu en pause parce que je suis pas très convaincue finalement par le projet, je ne sais pas. Je suis pas sûre que ma tension soit top, top, top. C'est assez épais. Donc voilà. Je vais peut-être ça va peut-être me remotiver de vous l'avoir montré pour pouvoir reprendre un petit peu et terminer au moins ce motif-là. Bon. Ah, c'est pas pour tout de suite. Puis j'ai peur qu'il soit un peu petit finalement. Enfin, j'en sais rien. Je suis pas très sûre de mon projet. Les projets en cours. Alors, j'ai une paire de chaussettes. Alors, Annie, vous voyez, j'utilise la pochette. Annie, c'est ma belle-mère, elle m'a offert ça pour mon anniversaire. Et je m'en sers pour mettre mes chaussettes. Voilà les Dolores Socks avec les contrastants avec un reste de laine que j'avais teint à l'avocat. Il m'en restait suffisamment pour faire Je pensais qu'il m'en restait pas beaucoup et qu'avec juste les talons et côtes, ça serait pas mal. Finalement, je pense qu'il m'en restera plus que ça. Donc, je ferai peut-être une autre paire avec les talons contrastants et pointes aussi. Parce qu'il me reste ça. Mais j'ai commencé. Enfin, il me reste quand même l'autre. Et puis ça aussi. Ça sera peut-être suffisant pour faire le talon, mais peut-être pas beaucoup plus. Et j'ai commencé l'autre sur mes aiguilles en Magic Loop. Parce que les petites aiguilles, par moment, ça me contracte un peu les mains. Mais d'autres fois, ça va bien. Je préfère. Ça dépend. Donc j'alterne. Comme ça, j'avance les deux chaussettes. Donc le modèle, c'est les Dolores Socks qui fait partie du livre 50 Week Socks. Enfin bon, les 52 semaines de la chaussette. J'ai pas acheté. Parce que je tricote peu de chaussettes et puis enfin voilà, j'étais pas intéressée par tous les modèles. Mais j'ai acheté ce modèle-là à l'unité parce qu'il me plaisait beaucoup. Au départ, je pensais essayer de le recopier moi-même et j'arrivais pas bien. Et puis je me suis dit, bon, allez, tant pis, j'achète le patron. Il y a une autre paire de chaussettes aussi qui me plaît beaucoup, mais je sais pas s'il fait partie du patron 50 Weeks of Socks. C'est aussi de Sari Norlund.
Les chaussettes fleuristes. Je sais plus, je vous marquerai. Fleuriste, c'est le. Alors, il y avait le poète qui utilise le même modèle, qui utilise le même modèle de dentelle. Le poète en pull que je trouvais très joli. Et puis, elle a sorti un cardigan qui utilise le plus ou moins. C'est pas tout à fait. Je pensais que c'était le même motif de dentelle, mais pas tout à fait. Ce que j'ai fait finalement, c'est j'ai acheté le cardigan en me disant je vais réutiliser une partie de la dentelle pour faire les chaussettes. Et en fait, c'est pas le même modèle. Donc, je sais pas si j'achèterai le modèle de chaussettes. En tout cas, le modèle de cardigan, je vais le faire dans une laine que je me suis achetée chez Laine et Tricot. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un. Alors oui, hey, je l'ai imprimé. Donc voilà, le fleuriste de. Donc il est vraiment très très joli hein, avec. Alors par contre, il commence par le bas. Je pensais que c'était par le haut, mais voilà. Donc il s'agit de la laine. Uncommon Thread, coloris Cumulonimbus. Donc c'est un gris bleu. Je le pensais beaucoup plus clair. C'est du BFL. J'avais envie de tester du BFL. Il est beaucoup plus foncé que je ne le pensais et beaucoup plus gris. Je le croyais plus bleu ciel, mais c'est pas grave. Je suis très contente. C'est vrai que parfois, je me dis finalement, il faut se méfier parfois à commander sur Internet parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Là, il prend plein de. Donc voilà, je l'ai bobiné, j'ai fait l'échantillon. Il va être super beau. J'adore cette couleur. C'est vraiment mes couleurs, ça. Moi, ce gris-bleu, j'adore. Je me suis pas encore lancée dans le projet parce que le fait qu'il commence par le bas, finalement, ça m'a un peu. Et puis parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de. Beaucoup de. Vous voyez, hein, j'ai un bon petit livret. Il y a plusieurs pages parce que comme elle fait une explication pour une partie, pour cette partie-là, elle met une grille de dentelle, une autre grille pour le deuxième, une autre grille pour celui-là, une autre grille pour le dessus des manches, une autre grille parce que là, il se répète le motif. Enfin, c'est très bien expliqué, mais quand on voit ça, on se dit waouh, c'est quoi toutes ces pages? Il y avait, je crois, 24 pages de. J'exagère, mais peut-être pas loin, 24 pages de motifs. Alors, tout n'était pas justement à faire. Ça dépendait un peu de la taille qu'on fait. Est-ce qu'on fait la. Ça va jusqu'à une taille. Ça va jusqu'à la taille 160. Donc, effectivement, la grille, là, il faut qu'elle s'augmente au fur et à mesure selon les tailles. Mais il y a une grille pour celle-ci, une grille pour celui-là, une grille pour celui-là, une grille pour celui-là, une grille pour celui-là. Donc, ça en fait pas mal. Mais au moins, ça doit être, enfin voilà, bien expliqué. Il n'y a pas de risque qu'on se trompe ou quoi que ce soit. Voilà. Au départ, j'étais à me poser la question si je le ferais pas plutôt en pull, parce qu'au départ, je voulais un pull dans cette laine-là. Je me suis posé la question. Je crois que finalement, je vais me faire quand même en gilet. Voilà, ça c'est à venir, mais mon encours du moment. Je suis en train de me refaire un sveg. Parce que le sveg que j'avais fait ma première fois, je le porte assez peu. Parce que je l'avais fait en baby mérinos et de drops. Et je le trouve assez. J'ai froid avec en fait. Chaque fois là, la partie dentelle, j'ai du mal. Mais une fois que je l'ai porté suffisamment longtemps. Il me tient suffisamment chaud, hein, mais même avec un t-shirt manche longue, j'ai du mal à le porter. Alors, j'ai voulu me le refaire. Et puis, le contraste gris foncé et bleu clair, finalement, je trouve que c'est trop contrasté et j'ai beaucoup de mal à le porter. Et là, je suis partie sur une laine en fait que j'ai trouvée chez Hobby, qui m'a tapé dans l'œil, que je trouvais vraiment très sympa. Et pareil, j'ai eu une surprise parce que j'imaginais pas du tout qu'elle était floue. Avec ce modèle-là, je trouve que ça rend super bien. Ça rend assez sympa. On voit pas du tout la dentelle.
J'ai serré comme une malade mes jetés parce que j'ai tendance, je pense, à faire des jetés assez lâches. Et c'est pour ça que là, cette fois-ci, j'ai voulu qu'ils soient bien. Pour pas que ça laisse passer l'air et que j'ai un peu moins froid. Parce que vraiment, c'était ce côté ajouré me faisait froid. Alors que sur d'autres modèles, ça me dérange pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme autre modèle comme ça que je porte? Bah, le Love Note, j'ai pas eu ce sentiment-là. Alors je me suis posé la question, je me suis dit si vraiment. Ce côté ajouré me dérange beaucoup. Ce que je ferais peut-être, j'essaierais peut-être de faire une doublure en mohair, tout simplement, à l'intérieur, en bleu marine. Parce qu'il me reste un peu dessus de mon Love Note. Si vraiment ça me dérange, j'essaierais de reprendre en dessous de remonter des mailles et de tricoter dans la même taille d'aiguille. Donc ça ferait un peu fluffy. Et de le mettre en dessous. Je sais pas, je pourrais voir. À voir. Sinon, l'autre laine, c'est une laine hobby aussi. Je vous mettrai les photos hein, des. Attendez, ouais, parce que j'ai pas les étiquettes là. Non. Je vous mettrai des photos, des captures d'écran des laines hein, en question parce que j'ai pas gardé les étiquettes. Donc celle-là, c'est une laine à chaussettes. Donc il me reste encore pas mal d'ailleurs du reste. Donc sur le précédent, j'avais fait des manches contrastées avec le. Et là, je sais pas si je le referais parce que finalement, c'est pas très joli. Je ferais peut-être le rabat éventuellement avec cette couleur-là. Ça peut être rigolo. À voir. J'essaierai. Voilà. Là, j'en suis à la partie où je vais bientôt séparer les manches du corps. Donc là, il y a quand même pas mal de mailles. Donc là, ça va être sympa le jacquard avec. La couleur un peu flashy. Mais ouais, c'est vrai que là, on voit pas grand-chose à la dentelle, hein. C'est un peu dommage parce qu'elle est jolie quand même, la dentelle. Oh, quand on a le nez dessus, on la voit quand même. Les encours. Il y a une partie. Je vais faire une petite partie achat aussi. J'ai pas l'habitude de faire ça. Mais là, il faut que je vous raconte que je me suis acheté un rouet. Je vais vous laisser peut-être deux, trois petites images de moi en train de filer, si vous voulez. Et je vais vous montrer. Et je vais vous montrer ce que j'en ai fait. J'en ai fait. Donc, je me suis acheté une tresse de mérino et soie que j'ai mis sur mon dévidoir. Je vous laisserai une petite vidéo aussi. Où je vous le prépare et je le passe à la vapeur pour le fixer. Donc, là, je l'ai retordu à deux brins. J'avais séparé ma mèche en deux et puis j'ai filé un côté et puis j'ai filé de l'autre. Là, je crois que je suis arrivée à une épaisseur fingering, voire peut-être presque lace à certains endroits. Sinon, je vais vous montrer mes essais avec des petits morceaux qui étaient vendus chez Artfilum quand j'ai acheté justement mon rouet là-bas. C'est le rouet Kiwi. Le premier d'entrée de gamme et qui est vraiment très bien. Je suis pas du tout mécontente d'avoir acheté celui-là. J'hésitais avec un autre modèle, mais non, j'en suis ravie. Je vais vous Voici. montrer un fil single. Donc ça, c'est mon deuxième essai. J'avais fait un premier essai avec un violet que je n'aime pas du tout. En fait, c'est pas parce que j'en ai fait. Premièrement, ça c'est le premier fil que j'ai fait avec pour m'entraîner un petit peu avec le fil. La nappe que j'avais triée, que j'avais fait au stage de filage. Donc, vous voyez, il est vraiment très irrégulier, vraiment pas. Enfin bon, c'était pour s'entraîner, voilà. Je l'ai retordu à deux brins en faisant un retors en daim. Voilà, celui-là, donc c'est un fil single que j'ai dû faire après pour essayer d'affiner au maximum mon fil. J'avais fait un premier, donc je vous disais violet, mais qui était encore plus.
Alors celui-là, il est bien retordu sur lui-même, hein. Il n'est pas. Je sais pas trop ce que j'en ferais, mais bon. Ensuite, j'ai fait celui-là. Alors lui qui est d'une pareille un peu déca. J'ai mélangé deux fibres pour essayer de justement avoir une couleur sympa. Voilà. Vous voyez, puis il y a des endroits qui sont vraiment plus épais que d'autres, hein, quand même. Donc là, je sais pas, je pense que j'en ferai peut-être des mitaines à mon mari, mais je sais pas en avoir assez parce que là, la pelote, elle fait ouais, à peine 50 grammes. Alors 50 grammes de déca, c'est pas loin. Pas faire grand-chose. Hein. Donc peut-être des mitaines, mais je suis même pas sûre d'en avoir assez. Alors peut-être que je rajouterai celui-là avec. Mais non, c'est pas très joli. J'ai voulu faire des essais de couleurs là, j'aimais bien. Et puis après, avec cette. J'ai pris trois autres pour faire cette couleur-là. Et là, je suis un peu plus régulière. Et c'est un peu plus déca aussi. Un petit peu plus régulière. Et toujours avec mon retors à deux brins. Parce que je ne suis pas encore assez fin pour pouvoir faire à trois brins. Moi, mon objectif, c'est plus d'avoir du fingering quand même. Ouais, voilà. Donc là, j'en ai un peu plus. Non, celui-là, je dois avoir 50 grammes et celui-là, je dois avoir que 30 grammes, je crois. Quelque chose comme ça. Attendez, bougez pas, je vais peser. C'est ça, je viens de les peser. Ça fait 30 grammes et celui-là, il en fait 47 grammes. Donc celui-là, oui, effectivement, 30 grammes, c'est pas énorme. Hein. Donc voilà, ensuite j'avais joué avec les couleurs avec celui-là, c'était pas spécialement évident. Par contre, il y a beaucoup beaucoup de tension dans celui-là. Hein. Ça devrait pas être compliqué. Ensuite, j'ai filé celui-là, c'était un kit que j'avais avec mon fuseau. Alors là, par contre, j'ai filé, mais en mettant une vitesse et il y a beaucoup trop de tension dessus. J'ai voulu le retordre à deux brins et oh, ça m'a fait un paquet de nouilles, une horreur, une horreur. J'avais pas réussi à. Alors mon mari m'a aidé à le défaire. Bah ma foi, une fois qu'il a été fixé un peu à la vapeur, comme je vous aurais fait montrer, bah il se tient à peu près quand même. Ouais, regardez. Hein? Donc celui-là, il va rester en fil solitaire, peut-être bien. Peut-être que je vais pouvoir le rajouter avec celui-là. Mais il est plus fin, donc ça peut le faire. Mais je suis pas sûre que les couleurs soient super bien ensemble. Au-dessus, là, j'avais réussi à le retordre à deux brins. Donc on est relativement fin quand même, hein. On est pas mal, hein. On est pas mal. Alors là, il est plus. Pas tout à fait la même. Il était plus duveteux quand même, hein. C'était pas peigné comme les autres. Voilà. Donc ensuite, bah, j'ai fait le laine et le mérino et soie. Je vous mettrai une photo un petit peu pour vous montrer à quel point il était vraiment. C'était nuage. Il y avait des parties de blanche, de bleu ciel, un peu plus foncé. Et bah, au final, au filage, et ben, ça fait quelque chose d'assez uniforme. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait garder un peu cet effet un peu nuage. Je verrai bien ce que je vais en faire. Je pensais. Là, j'ai presque 100 grammes. J'ai peut-être essayé de me faire le Waiting for Rain. C'était mon premier châle que j'ai fait, mais il est un peu abîmé parce que c'était de la laine à chaussettes qui n'est pas de super bonne qualité. Puis je l'ai beaucoup porté. Je me dis que je le referais bien celui-là. Et en mettant les insertions de dentelle, je mettrais peut-être une autre couleur. Je mettrais peut-être le blue jean qui me reste. Ou je sais pas. Enfin, faudrait que je. Parce que je me dis que le filet main en point mousse, ça peut être joli. Mais l'irrégularité du fil en jersey, ça serait peut-être un peu moins joli. Je sais pas. Je vais faire des essais. Je ferai peut-être des rayures avec mon bleu jean pour essayer de le. J'en aurais peut-être suffisamment pour pouvoir faire. Parce que je pense qu'il faut 150 grammes pour faire le Waiting for Rain. Et 100 grammes sera trop juste, je pense. Donc, à voir. J'ai pas encore de projet là-dessus. Dans la partie achat, je me suis aussi acheté deux tresses chez Laine et Tricot. Ça, c'était un petit bricolage que je me suis fait pour essayer de voir un petit peu la grosseur du fil que j'avais. En faisant sur un pouce le nombre de tours que je fais, ça fait soit épaisseur des cas, soit lace, soit des. Et il a souffert.
Il va falloir que je le refasse. Donc, je me suis acheté deux tresses chez Laine et Tricot. Où est la deuxième? Là. Je vous montre la deuxième. Et je vous montrerai la première. Et j'ai un parce que j'ai un projet. Il s'agit de la Malabrigo Nube. Vous voyez. Et là, c'est Azules. Pour les Azuleros, j'imagine, parce qu'effectivement, c'est. Oui, je sais pas. Non, j'en sais rien. Voilà. Donc, un côté un peu bleu, violet. Vraiment, ça va être sympa. Je vais m'éclater au niveau des couleurs. C'est ça ce qui me plaît dans le filage, finalement. C'est plus de jouer avec les couleurs. Et puis après, l'objectif. L'objectif d'après, ça va être de jouer aussi avec les matières. J'ai envie de filer de l'angora, j'ai envie de filer des matières un petit peu différentes. Là, c'est du 100% mérinos. J'ai 113 grammes. Et là, j'ai acheté aussi une autre tresse qui s'appelle Indeshita. Je l'ai déjà mis en deux côtés. Enfin, j'ai séparé en deux pour pouvoir faire mes deux bobines et les retordre en deux. Et j'ai un projet de me faire un ravelot dans lequel je vais essayer de faire un fade avec un kit de mini que j'ai acheté chez Laine et Tricot de chez Liken & Lace. Attends. Voilà. Alors, il y a citron. J'aime pas du tout la couleur, mais avec ça, à mon avis, ça va être sympa. J'ai citron. J'ai. Orchidée, je crois. J'ai lin. J'ai Silver Fox. Enfin, renard argenté. Rhubarbe. Autant je me souviens, ça doit être ça. Donc là, celui-là, il va aller bien avec le lin. Il va faire la transition avec orchidée et le lin. J'ai Pressed Flower. Celui-là, il va faire la transition avec Silver Fox, je pense. Et puis, il y avait un autre qui était un peu dans le. Voilà. Et celui-là, c'est mon préféré. C'est vraiment mes couleurs. Rose avec un petit peu de vert. Qui s'appelle Icy Seashell. Celui-là, c'est. Je l'aurais même pris en 100 grammes. Vraiment, il me plaisait beaucoup celui-là. J'ai longuement hésité et puis je trouvais que le kit de mini, ça me rendait la chose intéressante parce que ça me permettait de voir les autres couleurs. Parce que j'aimais beaucoup aussi Silver Fox, mais j'étais pas sûre. J'étais pas sûre que ça aille ensemble. Effectivement, c'est pas foufou. Mais voilà. Après celui-là, là, le citron, je m'étais même dit que j'allais presque le retendre. Mais finalement, dans un ravelot et mélangé avec ça, à mon avis, ce sera pas mal. Parce qu'au départ, je m'étais dit, avec deux kits comme ça, j'arrive à faire un pull. Et en fait, ça risque d'être un peu juste. Donc, avec 100 grammes de ça plus ça, j'arriverai peut-être à faire que, en fonction de ce que j'ai de reste d'autres choses. Enfin voilà. Ou peut-être que je rajouterai un peu celui-là. Ou je sais pas. On verra. On verra, on verra. Mais ça me semble assez sympa de faire des rayures avec. De mélanger le filet main et des mini comme ça. Ça peut être sympa. Voilà. De faire des rayures et puis d'alterner. Je vais peut-être un peu casser les pieds, je pense à. Là, j'ai commencé à regarder ce que ça faisait. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est très vif là. Mais à mon avis, ça va être beaucoup moins vif une fois filé. À voir. Alors je range, ça va faire du bruit. C'est vrai que ce week-end, je me suis un peu empressée de finir ma tresse de mérino et soie là, parce que j'avais très envie de commencer la tresse un peu colorée là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne les couleurs et tout ça, quoi. C'est vraiment pour ça que j'avais envie de me mettre au filage, c'est vraiment pour jouer avec les couleurs, un peu comme jouer avec les couleurs avec l'aquarelle, vraiment. J'ai essayé aussi la teinture, j'ai bien aimé. Là, j'avoue que
J'ai l'impression de tourner un peu sur les mêmes couleurs, donc c'est pour ça que j'ai mis ça un peu sur pause. Je crois qu'on a fait le tour sur la partie tricot. Oh, si, je ne vous ai pas dit ce que je portais. C'est mon gilet coquelicot de LSL en laine hobby. Alors qu'il y a pas mal bouloché. Vous ne voyez pas trop, vous, la caméra. Donc, ça va. Mais que j'aime beaucoup. Voilà. Donc on va passer à la partie couture. La partie couture, déjà c'est ce que je porte. C'est un plantain de Dirrendou dans un jersey avec des petits oiseaux. Bon, voilà, je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est. Enfin, je vous verrai au. Je l'ai taillé en taille 42, mais je suis à me poser la question si je ne devrais quand même pas faire la taille du dessus maintenant. Ou au moins élargir un petit peu au niveau du ventre. Ce que je fais maintenant assez couramment, c'est-à-dire d'élargir un petit peu, parce que moi j'ai pas mal de bidous, surtout des estomacs, et voilà. Il m'en reste, j'ai une chute, donc il m'en reste un petit peu pour faire. J'ai fait le devant d'un Alicia. Alicia, c'est un t-shirt de chez Machine qui a des manches raglan. Donc, comme il a les manches raglan, il a le haut qui a besoin moins de longueur. Parce que ça s'arrête à ce niveau-là, je crois, quelque chose comme ça. Donc, pour les chutes, c'est pas mal. Ou pour pouvoir essayer de caser deux t-shirts dans un morceau, c'est pas mal. Ensuite, j'ai essayé de trouver chez Mondial Tissu un autre jersey qui pouvait s'accorder avec celui-là. Chercher un autre jersey pour aller avec. Et au final, j'en ai un dans mon stock qui sera parfait. Donc ce verre d'eau qui va aller très bien avec ça, je pense. Donc il faudrait que je me taille. Je sais que je peux faire deux t-shirts là-dedans. C'était la même taille que j'avais acheté chez Benitex. J'en avais acheté un rose et j'avais réussi à en caser deux. Ben, justement un plantain et un Alicia. Et celui-là, je pense que j'arriverai peut-être aussi à en caser deux. Et je ferai peut-être le devant avec la chute de celui-là. Ou j'ai un autre jersey gris qui pourra peut-être faire l'affaire aussi. Je suis fait Voilà. Une blouse vagabonde de chez Églantine et Zoé. Donc c'est un top avec une basque péplum froncée. Alors elle est un peu moins froncée que ce qui est prévu parce que je me suis trompée dans le sens du motif. Donc il a fallu que je rabote mes coutures. Au lieu de découdre mon surjet fait à la surjeteuse, parce que j'avais fait un surjet à quatre fils, j'ai recoupé. Je me suis dit, oh ouais, j'enlève quoi sur l'équivalent de la lèse, parce qu'en général, quand je fais des fronces, je fais sur la lèse. J'ai dû enlever 2 cm, à peu près. À peine. Si j'avais fait, oui, à peu près ça. Donc bon. 1 sur 140, ça se verra pas énormément. Donc voilà. Je trouve qu'il va pas mal avec mon pull eau gazeuse de Marie Lamy Design. Donc que j'avais fait à l'avocat. C'est les restes que je vous avais montrés. Voilà. Je vous ferai un petit défilé à la fin. Avec ça. Et puis il va aussi pas mal. Non, c'est mon t-shirt qui va pas mal avec le Marie Chaîne que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite. Je vais vous parler des sweats que j'ai fait à mes filles. Donc le petit hérisson que je vous avais montré la dernière fois, j'en ai fait un sweat pour chacune. Parce que finalement, j'avais pas assez pour me faire un sweat pour moi plus un sweat pour ma fille. J'aurais pu faire qu'un sweat pour moi, mais bon, ma fille en voulait un, donc j'allais pas lui faire ça. Et puis j'ai cherché chez Mondial Tissu, la mercerie qui est à côté de chez moi maintenant. Ils n'avaient pas de jersey qui. Enfin de molleton, pardon, qui s'accordait avec. Donc j'ai laissé tomber. Et puis c'est compliqué finalement de trouver quelque chose qui s'accordait bien. Donc j'ai laissé tomber. J'ai réussi à en faire trois en fait. Mais le troisième, il est vraiment très petit, très petit. J'ai réussi à caser un petit gilet de taille 1 an qui est assez grand et qui va aller à ma filleule. Alors pour différencier, j'ai fait une autre petite astuce parce qu'elles ont voulu la même chose l'une et l'autre. Et ben j'ai mis pour la grande une petite étiquette.
Voilà, j'ai pas encore d'étiquette au nom de ma marque, mais faudrait que je les fasse, mais à chaque coup je procrastine, parce que je sais pas trop si j'utilise mon logo qui a été très gentiment fait par une copine, une tricopine, mais j'ai peur que ça soit pas très lisible sur une étiquette, ou alors j'arrive pas à me décider sur l'écriture, la taille, la couleur, donc c'est pour ça qu'au final j'ai toujours pas fait. Donc ce modèle-là, je n'ai pas fait les volants parce que sinon ça aurait été un peu trop juste pour en caser suffisamment. Et puis parce que les petits volants, au final, mes filles, elles ne voulaient pas mettre de manteau par-dessus parce qu'il fallait pas écraser les volants. Et parce que si, alors j'ai dit, le deuxième, il n'y aura pas de volant. Je ne veux pas de comédie pour mettre le manteau le matin, il n'y aura pas de volant. Puis la maîtresse qui en rajoute en disant, oh, on dirait que tu as des petites ailes, ma petite Alice. Ouais, et ben c'est pas un ange ce matin. Voilà, petite anecdote passée, voilà. Je vous montre le troisième qu'il faut que j'envoie pour les 1 an de ma petite filleule Héloïse. Voilà. Mais il taille tellement large, à mon avis, qu'elle pourra le mettre un petit moment quand même. Faudrait que probablement que je lui fasse des boutons où je pensais mettre des pressions. Mais le problème, c'est que je savais pas trop comment me mettre pour pas que ça soit trop serré. Enfin bon, je verrai ça. Puis je lui ai fait aussi une petite écharpe pour aller avec. Mais là, pareil, il faudrait que je pense que je fasse une espèce de boutonnière pour insérer passer l'écharpe à l'intérieur. Je pense que ce serait ce qu'il y a de plus commode pour mettre autour du cou d'un enfant. Et puis. Puis il n'y a pas assez de longueur de toute façon pour faire un tour de cou. Sinon, pour faire un nœud, et puis voilà. J'ai mis les petites étiquettes aussi pour qu'elle puisse mettre les doigts dedans, qu'elle puisse tripatouiller, et puis une petite broderie pour bien solidifier. Et voilà. J'espère que ça lui plaira. Parce qu'elle a aussi une maman qui coud aussi pas mal, donc j'espère qu'elle va pas être trop. Voilà. Regardant sur les finitions et tout ça, parce que ça fait un peu à l'arrache. Voilà pour les petits sweats. Ensuite, c'est aussi pourquoi j'ai pas tourné tout de suite, c'est que je voulais terminer mon magnésium pour vous le montrer. J'ai eu du mal à me remettre pendant les vacances pour le terminer, hein, mais bon. Je l'ai étrenné ce matin, il est parfait, c'est du soft shell que j'ai acheté chez Mondial Tissu dans un bleu canard et c'est super, ça tient vraiment. Ben, il est doublé en polaire et ça tient assez chaud, c'est pas mal. Voilà, que dire de plus? Je l'ai gancé de Liberty, petite aussi. Dédicace à ma filleule parce que sa maman s'est mariée avec ce Liberty Wiltshire, mais pas dans cette couleur-là. Mais quand je l'ai vue, j'ai pensé à elle. Voilà, tout gancé, voilà. Puis j'ai mis les poches. Bon, au départ, je voulais faire des poches à rabat, puis finalement, j'ai mis ces poches-là. Voilà. Par contre, j'ai pas gancé l'ourlet. Ça m'aurait fait quand même pas mal de liberté à acheter. Donc voilà, j'ai fait simple boutonnage avec des boutons que j'ai achetés aussi pareil, mon tissu. Le bas des manches, je lui ai fait une broderie. Parce que j'aurais aimé finalement mettre le liberté aussi, mais j'en avais pas pris assez. J'ai pas bien calculé mon coût. Mais voilà, c'est pas mal non plus. Et puis j'avais pas non plus surjeté le bas, j'avais peur que ça s'accroche un peu. C'est vrai que quand on le polaire, j'aurais dû faire attention aussi au sens, parce que j'ai l'impression que ça remonte un peu. Et puis j'ai maintenu aussi un peu la parenture avec un petit zigzag. Voilà, prise dans l'ourlet. Je crois que ça fait quelque chose d'assez propre. Je suis assez contente. Là, j'ai fait une petite aussi boutonnière parce que j'aimerais passer à un cordon. Je pense que
Au départ, si j'ai fait le magnésium, c'était aussi parce que je voulais une capuche qui me tienne bien, parce que j'ai une petite tête et à chaque fois la capuche elle s'envole. Ce matin, j'ai trouvé qu'elle s'envolait aussi pas mal. Donc, je pense que je vais faire un petit lien, je vais rajouter un petit lien de serrage. Il faut que je cherche ça voilà. Donc la parementure, enfin voilà. Par contre, le magnésium d'Yvan Soufflet, j'ai été impressionnée par le nombre de pages du PDF. Ça fait 75 pages. Très bien, je suis pas mécontente. Quand je regardais les mesures, j'avais peur que en mesurant par rapport à un autre soft shell que j'avais, plus ou moins, mais pas imperméable, donc c'est pour ça que je voulais le faire, et qui est un peu court, je trouvais que l'aisance m'avait l'air assez. Un peu beaucoup. Et en fait, c'est nickel. Je pense que l'aisance, c'est ce qu'il faut. J'ai fait un taille 44 et c'est parfait. Je l'ai fait en longueur médium parce que je voulais que ça m'arrive un peu sous les fesses. Parce que quand ça m'arrive au-dessus des fesses, je trouve que c'est un peu court et surtout quand il pleut. Et je voulais pas plus long. Mais c'est parfait. Franchement, c'est le truc que je vais enfiler pour emmener les enfants à l'école. C'est pas trop chaud, c'est pile poil. Finalement, j'ai même trop chaud avec l'autre que j'avais avant. Donc voilà, il est terminé et j'en suis très fière. Et je sens que je vais pas mal le porter. Je mets tout sur le côté et puis ça va être un sacré bazar tout à l'heure. Ah oui, ensuite je vais vous parler d'un truc, de quelque chose. J'ai ce tartan qui me plaît beaucoup et qui ira très bien avec un t-shirt comme ça et avec Marie Chen. Je trouve que ça s'accorderait pas mal. Et j'ai le projet de faire le pantalon carotte de hors série de la. Le hors série dont je vous ai parlé la dernière fois. Attendez, bougez pas. Donc, ce modèle-là, qui est à carreaux aussi d'ailleurs. Et oui, je vois bien cet ensemble-là. Sauf que mon mari me dit oui. Bof, bof. Alors je sors mes perles. Il m'a dit que ça faisait un petit peu Marie Chantal. Ah, c'est le côté tartan peut-être, mais bon. Après, le tartan, il est rose, turquoise. Même avec ce vert-là, c'est assez joli. Oh, je me dis, ça fait peut-être pas si Marie Chantal que ça. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Hein. Je veux que vous me dites. Hein, je veux à fond les commentaires. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez ou pas. Est-ce que ça fait vraiment Marie Chantal? Ou je demanderai à l'Irbis ce qu'elle en pense. Elle qui est très. J'aime beaucoup son style d'ailleurs. Très, très. BCBG, comme on dit. Bon chic, bonjour. Ça lui plairait peut-être. Je lui demanderai ce qu'elle en pense ou pas. Elle qui aime tant le Liberty aussi. Et je ne l'ai jamais vue hein, avec de l'écossais, mais voilà. Enfin, hey, je ne fais pas faire une jupe plissée ou un kilt avec. Hein. C'est un pilou-pilou. Je me dis, ça pourrait être bien confortable d'avoir un pantalon un petit peu. Parce que je recherchais des pantalons où j'étais moins serrée que dans mes jeans. Parce que ces derniers temps, j'avais un peu. Je ne me sentais pas très à l'aise. Et donc, je me disais que ça pourrait être sympa. Et sinon, je pense que j'en ai pas mal, j'avais pris 2 mètres. J'en aurais peut-être un peu plus pour essayer de faire une robe à ma fille, peut-être, mais je suis pas sûre qu'elle aime le motif. Mais moi, ouais, ça me tente bien de me faire un pantalon pour aller avec cet ensemble-là. À voir. La suite au prochain épisode. Je garde mes perles pour la fin du podcast. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai parlé de mes essais au rouet. Je vous ai parlé de mes coutures. Je vous parlais aussi de mon. Enfin, je vous parlais que je me sentais serrée dans mes jeans et tout ça. Et donc, j'ai essayé de faire une adaptation de mon jean en cousant un triangle d'aisance. Sur mon jean. Alors, c'est vraiment l'arrache, je vais vous le montrer. Voilà.
En fait, au départ, j'avais pris 7 cm et je me suis aperçue que c'était quand même beaucoup trop. Donc à l'intérieur, c'est même pas doublé. Enfin, c'est. Oh, vous n'allez rien voir. Enfin, c'est vraiment cracra. Et au final, je me sens pas mal. Et aussi, ce que j'ai trouvé, avec Instagram qui nous bombarde de pubs, une ceinture comme ça, qui se met sur le dessus et qui permet de pas avoir à se déshabiller. Donc voilà. Vous voyez ma bouée? Mon bidou, comme je disais, voilà. Je ne vous cache rien. Hashtag corps de rêve. Selon Cécile de Que font mes mains. Voilà. Je vous montre tout et ça vous décomplexera sûrement. Et puis voilà. On va pas. C'est un de mes complexes, je vous avoue aussi, mais je me soigne. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. Alors, ça veut dire place au défilé. Je vous embrasse bien fort, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!